Salut les barbus, c'est encore Real, et là on va faire la partie 2 de l'Open Day sur Team Yankee, et notamment Team Yankee V2. C'est très important pour moi parce que vous savez que c'est le jeu vraiment auquel je joue en ce moment, et c'est très bonne nouvelle. Moi j'aime beaucoup ce qu'ils sont en train de faire, mais je vous en parlerai un peu plus précisément avec ce qu'on va voir en vidéo que nous a donné Chris, et moi je trouve c'est top qu'ils commencent à se mettre à faire des petites vidéos comme ça. J'espère qu'ils en font de façon plus régulière. Parce qu'ils font des vidéos, hein. Vous pouvez aller sur le YouTube de Flame of War, vous verrez, il y a plein de trucs, mais là, vraiment, on est dans des vidéos qui, pour moi, sont très importantes. Alors, j'ai zappé le son, si vous voulez voir la vraie vidéo, je mettrai sûrement la vidéo en description. Oh, je me gratte le nez. Mais voilà, donc, on passe tout de suite aux news, parce que c'est le plus important. Allez, à tout de suite. Allez, alors la vidéo va être un peu plus courte, car il y a moins d'informations. Déjà, Team Yankee V2 ne s'appellera pas Team Yankee V2, mais World War 3 Team Yankee. Pourquoi? Parce qu'ils vont faire, comme pour Flame of War, des déclinaisons Early, Mid et Late. L'Early, on va en voir, mais vous en connaissez déjà deux de l'Early. On a Nam et on a Fate of the Nation. D'accord? Ça va permettre de trucs. Bon, pour sur la V2, le truc le plus important, c'est qu'on va coller à la V4 de Flame of War, et donc notamment, il y aura un système pour que l'infanterie relance ses saves. Alors, le premier truc, c'est qu'en décembre 2019, on aura un nouveau bouquin british avec des challengers en plastique, et ils sont vraiment beaux. Là, on est dans du lourd de chez lourd. On aura aussi un autre tank qu'on va le voir après, mais là, voilà, le Warrior, c'est pas vraiment un tank, hein, c'est plutôt, je pense, un transport de troupes. On voit qu'il a un petit missile, donc il doit avoir un petit Milan ou un petit taux. Et le Fox, qui doit être une unité de reconnaissance, comme on pourrait le voir avec les EML90 français. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que s'ils sortent ce petit Fox, peut-être qu'on aura aussi le EML. On va avoir le M109 en plastique, ça c'est une très bonne nouvelle, parce que moi, en résine, je ne l'ai pas acheté parce qu'il est trop laid. Avec des MLRS, qui sont, je pense, des petits missiles. Donc là, vous voyez, on va avoir un troisième bouquin pour le early de Team Yankee, donc il s'appellera Cold War, avec Checkpoints Early, avec les unités européennes. Donc c'est quand même une très bonne nouvelle, ça va nous permettre d'avoir vraiment un truc sympa. Alors en plus de British, on aura aussi l'Ouest allemand et le Russe qui va avoir encore un livre. Donc il y a peut-être, a priori, après, américain. Ça, après, ça sera à voir. Mais en tout cas, c'est une très bonne nouvelle. On commence sur du early avec des bouquins qu'on a déjà. Donc ça, c'est pas mal. Les bouquins sont déjà en V4. C'est vraiment très cool. Et on aura aussi, bien sûr, les events, le registration, là, comme on avait aussi pour Flame of War. Bon, ben voilà les barbus qui nous amènent à la fin de cette vidéo. Elle était un peu courte. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche de notification pour recevoir les alertes de nos futures vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, les barbus, et que le poil soit avec vous. Et passez de bonnes vacances!